Oui. Tu as quelque chose à dire, ma chère? Alors, concernant les attentats, non. Bon, on va concernant le Cameroun. Pour le Cameroun. Papa, oui. Non, de différent de mon papa. Oui, vas-y, qui est encore quoi encore pour le Cameroun? Je vais fermer la vidéo. En ce qui concerne le Cameroun, j'espère que vous m'entendez parce que je sais que j'ai une connexion qui dérange beaucoup ces jours-ci. Continuez. Si tu nous entends, prends une position, tu ne bouges pas du tout. Comme ça, la connexion ou bien les ondes vont être fluides et ça ne va pas fluctuer. Donc tu restes juste fixe comme ça là. C'est comme le monument de la réunification qui est en plein centre là-bas à côté du palais de. Et puis là maintenant tu parles. Si tu m'entends maintenant tu peux parler. Parle sans bouger ni la tête, ni le cou, ni les yeux. Allons-y. D'accord. Je disais que j'avais une vision. Et là, j'étais à la présidence. Je voyais la présidence. L'actuelle présidente très malade, agonisant même en fait. Et alors, on essayait de l'évacuer en fait en cachette. On essayait de l'évacuer, de le faire sortir du pays en cachette. Mais dans tout le tralala, la tracasserie là, il est décédé en fait. Donc avant qu'on ne le fasse sortir du pays, il est mort. Et donc, on essayait de cacher, en fait, de masquer sa mort parce que dans le cercle, ils étaient en train d'essayer de décider qui allait le remplacer. Et c'était une discussion vraiment chaude entre eux parce qu'ils n'arrivaient pas à être d'accord. Et toujours le même jour, j'étais dirigée à prier pour la fille, pour sa fille en fait, Brenda. Et je voyais alors comme son papa avait donné des instructions particulières pour elle en fait, pour qu'on devait la confier à quelqu'un, pour que la personne s'occupe d'elle et tout en fait, parce qu'il savait que lui c'était en train de se finir et il voulait mettre sa famille en sécurité quoi. Et il avait donné des instructions. Celui à qui il a donné les instructions, son collaborateur au chat qui a donné les instructions là, n'a pas en fait respecté. Donc il était plutôt en train il était en train d'essayer de corrompre les gens qui devaient l'amener pour qu'on l'amène dans une autre direction. Et j'avais écouté un nom, on disait qu'on devait l'amener, c'est un certain Charlie, quelque chose comme ça. Charlie, je ne sais plus trop. Et donc, c'était... Bon, en tout cas, la quintessence Ma soeur, on ne t'entend plus. Hein. C'est désagréable. Ça c'est la connexion en Europe, ça, c'est ça, non? Au moins là, ça c'est. C'est que ces pays là est en voie de développement, n'est-ce pas, ma soeur? C'est la connexion du colonisateur. C'est ça. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? La fin là, je crois que. Je crois que la quintessence est prise, n'est-ce pas? Si vous m'entendez et vous écoutez ce bambaïba, je ne suis pas responsable de ce qui est dit. Elle est responsable.
Donc, il ne faut pas que vous ayez me chercher le problème ici, là. On va t'interdire l'entrée au Cameroun. Moi ou elle? Elle, non, la chérie. En tout cas, même quel est le qu'est-ce qu'il y a de mal là-bas? Ah, laissez les gens. Elle a, c'est elle qui a fait pour voir ça. Quand la mère de l'enfant a vu les attentats de l'autre côté là-bas, juste qu'on a tiré sur elle, c'est elle qui a fait pour voir. C'est la Camerounaise ouvre sa bouche pour parler, vous allez voir. Attendez. La sœur des pays arabes, si elle avait été là, si vous voulez comprendre une série là maintenant. Là. Dieu merci. Pardon, mon frère, je n'avais pas fini. Voilà. J'ai dit qu'on s'en allait plus loin. Ok, vas-y alors. Donc j'étais en train de. Et après, il y a eu une autre vision. Et ça, c'était dans la forêt. Parce que c'est ce que l'esprit m'a dit. Ouais, dans la forêt. Et là, il y avait un bain de sang terrible. Dans la forêt. Dans la forêt. On t'entend pas du tout. Si tu nous entends, écris là comme ça, la mère de l'enfant va nous lire ça. D'accord, ma chère. Le temps qu'on prend. La femme du pays des fois. Si tu nous entends, écris rapidement comme ça, la femme du pays des la mère de l'enfant va écouter, va nous prendre cela. Et puis on prend la femme du pays du froid. Alors on y va du côté du pays du froid. Moi c'est un peu dans le même ordre que la sœur. C'était par rapport au président aussi du Cameroun. Moi j'ai pas beaucoup de vision, de rêve. Hein. En tant que tu vois ça, mais chaque fois que je pas droit à la présidence quoi. Chaque fois que je rêve du président, il est toujours. Je le vois sous un autre angle, en fait. Je ne vois pas un être méchant, tout ça, comme les gens disent. Je vois plutôt quelqu'un qui est dans beaucoup de souffrance. Mmh. Et ce jour-là, on était assis. Il y avait plein de jeunes autour. Et j'étais assise à côté de lui. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te fasse un chèque? Je lui ai dit, ah, vraiment, monsieur le président, vraiment, ça va même m'aider à rembourser mes dettes. Donc, il a pris le chèque, il a commencé à. Ah, c'est un bon rêve, écrire, ça. Puisse-t-il. Il voulait écrire. Alors, monsieur le président, si vous écoutez ceci, vous voulez contacter, vous pouvez contacter sur Bambaye, vous nous écrivez, la soeur, elle a effectivement, elle a certainement les dettes. Vous nous contactez au plus 237-6. 94 01 94 40, on va lui faire un orange money. Ou le 6 75 87 41 21, vous nous écrivez à Junior. Junior, c'est junior@yahoo.fr. On se fera bien. On va transmettre le chèque en direct sans interférer. Vas-y, ma chère. Avec la suite, il risque de ne pas envoyer le chèque. Non, c'est qu'elle ne dit pas la suite. Dis ce qui est bon pour avoir ton chèque. Et donc, il a essayé d'écrire mon nom. Sauf que quand il écrivait mon nom, il écrivait comme les Arabes. Là. Il écrivait de la droite vers la gauche. Mmh. Et en esprit, je recevais que, en fait, c'est suite à un AVC. Mmh. Donc, parce que généralement, en médecine, les gens qui écrivent de cette manière-là, c'est-à-dire, ils n'ont plus d'orientation, en fait. Mmh. Et c'est ce que je recevais en esprit. Et il essayait d'écrire, mais il n'a pas pu écrire tout mon nom. Il n'arrivait pas à finir. Il avait de la difficulté même à écrire. Et il a baissé les bras. Il était désemparé. Il a appelé son garde du corps. Le garde du corps est venu.
Il sait comme c'est tenté, lui dit que aide-moi, vraiment, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Il a encore essayé de prendre le stylo pour écrire. Jusqu'alors, il n'arrivait pas. Après, il a posé le stylo, il a mis sa main sur mon épaule et il me disait, regarde ce que je suis devenue, ma fille. Et le rêve s'est coupé. Je me suis réveillée. Je n'ai... Tu n'as pas eu ton chèque, en tout cas. C'est ce que j'ai pas eu mon chèque. J'ai pas eu mon chèque. Donc, c'est ça, c'est la troisième fois que je rêve de lui et toujours dans des circonstances où je vois une âme meurtrie, quoi. Qui est dépassée par les événements. Oui, 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 oui. Bon, tout ça. Ok. S'il t'écoute maintenant, qu'est-ce que tu lui dis, ma chère? Dis-lui toi-même. Je ne veux pas entendre parler ma voix. Je peux tout simplement lui dire que s'il entend la voix du Seigneur qui l'appelle, qui répond à cette voix, qui se détourne de ses mauvaises voies et qui vient à lui, je ne sais pas. S'il est. Est-ce que je vais dire s'il est prédestiné? Je ne sais pas, mon frère, mais. Qu'il écoute aussi le cœur de ses enfants au Cameroun qui pleurent la souffrance et qui ont vraiment besoin de délivrance, que ce soit sur le plan physique, c'est tout ce qu'il peut faire de toutes les façons. Le procès du chef d'État, c'est fini, n'est-ce pas? Le chef d'État du Cameroun, c'est fini. Et je ne sais pas si si l'archiviste a déjà ouvert tous les dossiers comme ça, la maman va lire. L'adoration au cœur de la nation. Écoutez, ça arrive au Cameroun. L'adoration de Dieu en esprit. Ça arrive au Cameroun. Alors, la mère de l'enfant a la parole. Je crois bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, la sœur disait, c'était dans la forêt et il y avait des bancs de sang. Ils ont continué et ont tué beaucoup plus les mamans et les enfants. Et toujours dans la forêt, j'ai été enlevée plusieurs fois déjà. Mais la deuxième, il y avait un conflit entre les deux groupes qui étaient censés agir pour semer le trouble dans cette région-là. Il y a quand même eu des ordres dans la région. Mais je recevais que ça n'allait pas durer comme ailleurs à cause du fait qu'il y avait division dans le camp des rebelles.
Amen. Donc ça se passe dans la forêt maintenant. Ce qui est censé arriver au Cameroun arrivera de toutes les façons. Les turbulences. Mais ça passera. Il y aura des Camerounais toujours qui vont vivre et vivre la gloire du Seigneur.